Yes, bonjour. Voilà, on va vous parler aujourd'hui du poison qui tue tout doucement en fait. C'est qui s'appelle le mabawa. Mabawa. Donc les ailes de poulet en français et donc au Morien ou en Maoré ou en Joanie ou en Moélien, ça s'appelle les mabawa. Les mabawa en fait, c'est des ailes de poulet qui viennent d'Europe en fait, qui viennent d'Irlande ou d'Australie. Ou de Brésil, c'est tous les restes d'ailes de poulet parce qu'en fait en Europe ils consomment pas tellement ça quoi. Ils mangent les cuisses, ils mangent le poulet, mais les ailes de poulet ils les mangent pas. Du coup, ils les découpent et ils les mettent dans des cartons, dans des sachets plastiques, ils les congèlent et ils les envoient en Afrique quoi. Donc dans plusieurs pays d'Afrique, on retrouve ces ailes de poulet en barquette, en gros carton, qui sont vendues au début, peut-être c'était à 19 euros, ou maintenant ça doit être peut-être, je sais plus, à 25 ou 30 euros, je sais plus. Donc les gens se disent que ouais, c'est ce qu'il y a qu'on bouffe, souvent dans les centres commerciaux, ils les achètent et ils bouffent ça, quoi, tu vois. Ils les cuisinent dans des marmites, en sauce, ou frits, ou en grillade. Alors que c'est de la viande dégueulasse qui vient d'Europe. Des fois, c'est tout simplement taché de sang, sang parce que ben le truc il n'avait pas été bien conservé. Voilà quoi. Donc c'était juste pour dire qu'on est en train de bouffer. Tout le monde est en train de bouffer. Moi, personnellement, je la mange pas du tout. C'est dégueulasse. Je préfère manger de la bonne viande là. De brochettes et des maniocs et des bananes frites et de manger ce foutu mabawa pourri là quoi tu vois. Donc pour ceux qui veulent mourir à 40 ans ou peut-être un peu moins, c'est rempli de gras et tout, c'est même pas de la viande, il n'y a rien dedans, il n'y a que de la graisse quoi. Donc bouffer du mabawa quoi, c'est de la viande pourrie qui vient d'Europe que personne bouffe. Nous on la bouffe quoi tu vois. Voilà quoi. Donc c'est on est dans l'océan Indien, on a quand même du bon poisson, des bons bananes, des bons maniocs, des bons majimbi, des bons sonzo, miskida, misonzo, du bon viande de bœuf, quoi, tu vois. Vaut mieux payer un peu plus cher et avoir de la bonne viande que d'acheter de la viande pourrie qui vient d'Europe là, congelée, qu'on bouffe à chaque fois, quoi. Donc franchement réfléchissez bien et enlevez ce foutu mabawa pourri dans vos marmites quoi. Donnez pas ça à vos enfants, c'est de la viande pourrie qui vient d'Europe, d'Italie, d'Espagne. Voilà, c'est. En sachant que, comment dire, ces poules sont élevées dans des usines. Donc on leur fait bouffer de la merde. Quand je dis de la merde, bon c'est pas de la merde, mais je veux dire. Une expression pour dire que bon les font de l'élevage de poulets quoi, ils sont pas dans la nature, ils sont pas élevés dans la nature les poulets, ils sont dans des cages et puis on leur donne des produits chimiques là, des produits ils mangent ça et puis après ben nous qu'est-ce qu'on fait, on va bouffer ces mabawa pourris là sans réfléchir, on cherche pas à comprendre, on sait pas ce qui se passe tellement avec ces mabawa, donc laissez ces mabawa tranquilles dans les centres commerciaux. Comme ça, ils vont périmer là-bas, ils vont les jeter. Sinon, ils vont les vendre moins cher à 10 balles le mabawa ou à 5 euros le carton de mabawa. Et puis basta, quoi, tu vois. Mais c'est. Je vous dis que c'est pourri, c'est mabawa pourri, là. Voilà, quoi. C'est de la viande pourrie qui vient d'Europe. Faut pas bouffer ça, quoi. Faut choisir les bonnes choses et les manger. Et pas acheter des trucs chers et qui sont pourris, quoi. Vive le mabawa pourri. Yeah.